Les rapports affirment que les orques se regroupent. Les attaques récentes contre les réserves en sont la preuve. D'accord. La Horde s'est mise en marche. C'est absurde. Ma nation ne restera pas inactive pendant que la Horde se masse à nos portes. Les orques ne sont pas notre principal problème. Combien de fois devrais-je le répéter ? Roi Terenas, écoutez mes avertissements. Le fléau qui s'étend sur les terres du Nord pourrait avoir de tragiques conséquences. Le fléau ? Vous autres sorciers voyez le mal partout. Il faut garder mesure, même si ce fléau est pour nous une menace. Que proposez-vous de faire ? C'est très simple. Comme je l'ai dit, le Kirin Tor est paré à placer les villages sous quarantaine. Je ne vais pas décréter la quarantaine sans avoir de preuves, ambassadeur. Le peuple de Lordaeron a assez souffert sans devenir en plus prisonnier sur ses propres terres. Ils sont déjà prisonniers, sire. Qu'est-ce que ça signifie ? Qui êtes-vous ? L'humanité est en péril. Les ténèbres étendent de nouveau leur ombre. Et le monde est au bord de la guerre. Il suffit. Garde, emparez-vous de ce démon. Écoutez-moi. La seule chance pour votre peuple est de partir vers l'ouest, vers les terres oubliées de Kalimdor. Vous êtes fou! Un instant, ambassadeur. J'ignore qui vous êtes et quelles sont vos idées. Mais l'heure n'est pas aux prophètes fous. Nos terres sont ravagées par la guerre. Mais c'est nous qui déciderons comment protéger notre peuple. Pas vous. Partez maintenant! J'ai abandonné l'humanité une fois. Je ne le ferai plus. Si vous ne pouvez boire à cette coupe, je trouverai quelqu'un d'autre. Je les ai avertis. Leur destin leur appartient. Il y avait du sacré doubleur. Je viens de percuter qui était le doubleur de Terenas. J'ai enfin percuté qui il était. C'est tout simplement le colonel dans Avatar. Donc le mec qui fait... et qui fait d'ailleurs Manoroth dans... Et Scénarius, il fait Scénarius, pardon. C'est pas Manoroth, il fait Scénarius dans Warcraft 3. C'est que des gros doubleurs de Warcraft 3. Vous aviez le doubleur de Grommel Scream qui est le doubleur de... Reinhardt, vous avez le doubleur de Illidan de l'époque, qui est tout simplement le doubleur de Dinozzo dans NCIS. Vous avez... Attendez. Active pendant que là... Voilà, ça c'est Dinozzo. Vous avez... Je suis à 100%. Hein. Vous avez le doubleur de Medivh, bah, c'est Antoine Thomé. Vous avez le doubleur de... Il y a juste le vieux que j'arrive pas à reconnaître. Mais sinon, vous avez aussi le doubleur de Malfurion, donc c'est Pierre Dourlan, je crois, qui est... Enfin, je vais vous les faire, de toute façon, c'est simple, on va les faire les uns après les autres. Ma nation ne restera pas inactive. Alors, au passage, les différents endroits que Medivh traverse, est-ce que vous arrivez à savoir où, qui est quoi et où et quand ? C'est très compliqué de le faire et honnêtement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Bien sûr, ça pourrait représenter les hautes montagnes de Kazmodan, c'est tout à fait pertinent. Mais ça pourrait également être Norseron de Lordaeron, tout ça. Ça peut être plein de. Ça pourrait être les montagnes d'Alterac. Très difficile de dire où est-ce qu'il est, c'est juste pour vous montrer qu'il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin. Même ça peut être des montagnes du sud, hein, avec les Red Ridge, la chaîne des Red Ridge Mountains. Alors là pour le coup c'est très... Là pour retrouver la zone d'en haut c'est très technique, hein, pour le coup. Parce qu'on aurait plutôt tendance à placer ça en... Et tout à l'heure d'ailleurs j'ai dit Draenor, mais excusez-moi, hein, c'était évidemment
Kalimdor. Et d'ailleurs, on aurait plus facilement tendance à placer ce territoire dans Kalimdor, mais ça peut être les steppes ardentes, les terres foudroyées, ça peut être plein d'endroits assez désertiques. N'oublions pas Kazmodan aussi, hein, puisque Kazmodan, il y a aussi des... Après, vous allez me dire, c'est Kazmodan, les steppes ardentes, tout ça, tout ça. Ça pourrait effectivement être Kazmodan. Et par contre, là, on arrive à la capitale de Lordaeron, Lordaeron, la bien nommée Lordaeron, la capital city, hein, la ville capitale de Lordaeron, qui est immensément grande, hein, dans cette cinématique, ce que WoW ne pourra pas reproduire à l'échelle, évidemment, mais c'est très grand, très très grand. C'est l'un des grands foyers, des bastions humains, tout ça, tout ça, donc... À noter d'ailleurs un petit truc, c'est que les toits de Lordaeron sont verts majoritairement, ce qui n'est pas du tout la couleur de Lordaeron, mais c'est probablement pour montrer un côté très riche, très, très joli, etc. C'est un vert d'une certaine couleur, c'est pas le vert de Kul Tiras non plus, mais ça c'est la petite anecdote, c'est que c'est pas bleu, ou blanc, ou bleu ciel, qui sont les couleurs de Lordaeron. Voilà. Affirme que les orques se regroupent. Alors là j'ai pas le doubleur pour le coup. Les attaques récentes contre les réserves. Pierre d'Ourlan, doubleur d'Illidan dans World of Warcraft, doubleur de Malfion dans Warcraft 3. Vous le connaissez sous le nom de... Vous le connaissez sous les traits de... comment il s'appelle? Patrick Stewart dans... Charles Xavier, donc Charles Xavier pour X-Men. Sinon, tout simplement, pour... comment il s'appelle Mais dans Star Trek, comment il s'appelle? C'est Jean-Luc Picard, je crois. D'accord. Ça, c'est Reinhardt et Grommel Scrim dans Warcraft 3. La Horde s'est mise en marche. C'est absurde. Ça, c'est Illidan dans Warcraft 3 et Dinozzo. Son nom, j'ai oublié le nom exact dans son le doubleur, c'est Xavier Fagnon, je crois. Oui, c'est Xavier Fagnon. Doubleur que j'adore et qui était pour moi, qui restera toujours la voix d'Illidan de Warcraft 3. Qui pour moi restera toujours la voix d'Illidan tout court. Alors ce que représente ça, c'est la cour, bien sûr, la salle royale. Ce que sont censés représenter ces gens-là, ce sont les ambassadeurs des différents royaumes qui représentent l'Alliance. Donc on a un représentant du Kirin Tor de Dalaran, un représentant de Stromgarde, un représentant de tout, un représentant aux elfes, enfin, etc. Vous avez des ambassadeurs de tous les membres, enfin, de tous les royaumes ou tous les membres de l'Alliance. Après, même si là, ça a l'air d'être principalement humain quand même. Ma nation ne restera pas inactive pendant que la Horde... Vous l'entendez, Dinozzo, là, ou pas? ...de se masse à nos portes. Les orques. C'est le seul doubleur que j'arrive pas à reconnaître, celui-là. J'arrive pas à le mettre sur quelqu'un. ...ne sont pas notre principal problème. Mais en tout cas, c'était le doubleur de pas mal de persos, notamment, je crois, le druide... je sais plus, druide ours ou druide corbeau, je sais plus. Combien de fois devrais-je le répéter? Roi Terenas. Écoutez mes avertissements. Le fléau qui s'étend sur les terres du... Ambassadeur du Kirin Tor. Et j'arrive pas à reconnaître ce que censé représenter la bannière. Il y a peut-être un œil au milieu, mais c'est ni les couleurs du Kirin Tor, ni... Et qui est cette personne peut-être? On a deux ambassadeurs, pour le coup, dans... deux ambassadeurs dans le livre pré-Warcraft 3, qui est le Jour du Dragon. Il y avait... Alors les noms, putain. Là, de tête comme ça, je ne m'en rappelle plus. Mais on a Modera, mais là c'est un homme, donc c'est pas une femme. Et est-ce que c'est l'un des représentants du Kirin Tor ou juste l'ambassadeur du Kirin Tor? Ce serait très bien que ce soit juste l'ambassadeur du Kirin Tor, hein, bien sûr. L'ambassadeur de Dalaran. Mais on sait qu'il y a une ambassade grâce au livre du Jour du Dragon, on sait qu'il y a des ambassades pour chaque royaume dans la ville. Donc pour vous montrer que la ville est très très grande, et notamment on fait un petit tour dans l'ambassade du Kirin Tor. Du Nord pourrait avoir de tragiques conséquences. Le fléau. À noter qu'il y a le L de Lordaeron sur son truc, le lion de l'Alliance et le lion symbole de la royauté, tout ça, tout ça. Il y a des espèces d'aigles faucons, je sais pas trop ce que c'est censé représenter. Et le blanc, bien sûr, du roi. Vous autres sorciers voyez le mal partout. Donc, ce qui est bien avec cette discussion, c'est que ça vous rappelle le danger que représente la Horde. Certains voient le mal, enfin, voient la principale menace dans la Horde. D'autres, certains autres... on sait qu'à ce moment-là, il y a des instabilités économiques et notamment des révoltes paysannes. Qu'Uther et Arthas ont pas mal muselé. On sait qu'il y a aussi des invasions trolls des forêts sur le frontière est-nord-est. Et du coup, bah, y a bien sûr l'arrivée du fameux fléau, qui n'est pas encore bien connu. C'est d'ailleurs pour ça que Terenas va mandater, et le Kirin Tor va mandater aussi des émissaires, notamment Arthas et Jaina. Le fléau qui s'étend sur les terres du Nord pourrait avoir de tragiques conséquences. Le fléau,
Vous autres sorciers voyez le mal partout. Même si ce fléau... Vous reconnaissez Reinhardt ou pas? Et pour nous une menace. Doubleur de Grommel Scream à War 3, je le préfère. Que proposez-vous de faire? C'est très simple. Comme je l'ai dit, le Kirin Tor est paré à placer les villages sous quarantaine. Je ne vais pas décréter la quarantaine. Vous reconnaissez là? Il vous dit bienvenue à Pandora. C'est vraiment le colonel, j'oublie le nom du colonel dans Avatar. Sans avoir de preuves. Et putain, il pète la classe en Terrenas quand même. Ambassadeur. Et c'est pour ça que j'adore Patrick Béthune, le doubleur de Raynor dans Starcraft et le doubleur de Terrenas dans Wotelka, mais je ne peux pas considérer que c'est Terrenas. Pour moi, Terrenas, c'est cette voix-là. Le peuple de Lordaeron a assez souffert sans devenir en plus prisonnier sur ses propres terres. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez eu la vision de Thrall juste avant, qui vous montre que Thrall, lui, a écouté les esprits, bien sûr, le côté chaman. Et en fait, il y a un grand message dans Warcraft 3, et pas qu'un d'ailleurs, mais le fait que ceux qui étaient considérés comme des démons, des sauvages, etc., vont être plus enclins à écouter des conseils, là où l'Alliance victorieuse, qui sont censés être les mecs emplis d'honneur, etc., vont rester sourds aux avertissements et arrogants, vont être bloqués dans leur arrogance et vont en subir les conséquences. Donc là, vous avez tout le conseil qui représente à peu près toutes les nations humaines qui vont rire en entendant le prophète. Qui a un message très très fort, puisque Medivh est mort, hein, qu'on soit clair, Medivh est mort, mais là il vient sous une forme d'espèce d'écho de Medivh, espèce d'avatar de Medivh qui va essayer une sorte d'esprit en fait, c'est même pas un esprit, c'est même pas une sorte, c'est un esprit de Medivh qui va essayer de se repentir du mal qu'il a pu causer par le passé, notamment avec Warcraft 1. Il y aura beaucoup de flashbacks liés à Medivh, notamment qui rappellent des événements de Warcraft 1 avec le moteur du jeu de Warcraft 3. Qui va rappeler un petit peu tout le mal, malgré lui, qu'il a causé. Je rappelle qu'il était l'hôte, le vaisseau de Sargeras, donc le grand chef de la Légion Ardente. Et donc, il a fait des choses contre sa volonté, et parfois aussi un peu de sa volonté. Et du coup, il veut se faire pardonner. Et c'est pour ça qu'il va énormément essayer de faire en sorte que l'humanité l'écoute. Il va subir énormément d'échecs. Le premier avec Terrenas en CGI, en magnifique cinématique. Ensuite, c'est carrément Dalaran qui va lui rire au nez avec Antonidas. Et finalement, il y a Arthas qui va aussi lui rire au nez d'ailleurs. Et finalement, la seule personne qui va prendre en considération ce qu'il dit, c'est une femme. Il y avait un petit message féministe aussi. C'est Jaina. Jaina Prodmore qui va écouter les avertissements de Medivh contre vents et marées, contre tout ce que les autres lui ont dit. Donc les seuls qui peuvent écouter... les avertissements de Medivh, c'est un sauvage, ce qu'un mec est considéré comme un sauvage, par la droiture et par la civilisation, on va dire l'ordre, et au final une femme. Donc c'est quand même un message assez progressiste aussi, et tous ceux qui ne l'ont pas écouté par contre vont prendre très très cher, vont payer un lourd tribut suite à leur refus, à leur obstination. Stéphane Lang, merci. Le doubleur de Terrenas du coup de Warcraft 3, c'est Stéphane Lang, merci. L'humanité est en péril. Ce qui est très rigolo, c'est qu'Antoine Thomé va doubler Garitos dans Frozen Throne, et c'est exactement la même phrase qu'il utilisait, c'est « l'humanité est en péril ». Bon, c'est pas tout à fait le même ton et la même volonté, parce que Garitos, il y a un message profondément raciste, là où Medivh, pardon, essaye de sauver l'humanité et l'Alliance tout court. Donc, il fait son petit speech, et globalement, un gros plan sur Terrenas qui le fait vraiment passer pour un salaud, je trouve, sur ce plan. L'humanité est en péril. L'heure n'est pas au prophète fou. Alors, celle-là, avec Eva, on l'utilise souvent, ce genre de choses. Je ne sais pas qui vous êtes et quelles sont vos idées. Mais l'heure n'est pas au prophète fou. On aime bien l'utiliser pour ceux qui pensent que c'est la fin de Blizzard, tout ça. Et les flagellants de la fin du monde qui arrivent avec leurs cloches. Et souvent, on aime bien l'utiliser avec Eva. Et ce qui est intéressant, c'est juste tout le monde se rit en fait de Medivh. Terrenas va juste les corriger pour au final enfoncer le clou en disant « c'est nous qui allons défendre le monde, pas vous ». Voilà. Donc... qui montre un peu l'arrogance, tout ça, tout ça. J'aime beaucoup la formule de fin qui n'est plus disponible dans la VF de Warcraft 3 Reforged, mais qui est dans la VF d'origine. Le mode, il y a un mode Warcraft 3 Reforged hein, avec les voix d'époque, c'est pour ça que vous les avez tout à l'heure.
qui justement dit si vous ne buvez pas la coupe à cette coupe, je trouverai quelqu'un qui le fera. Et du coup, ce sera un écho, bien sûr, à Jaina. On va passer à la cinématique d'après qui se passera dans le même endroit. On va réutiliser les assets, bien entendu.